combat est terminé. Je ne ferai pas cela. Tempête se déchaîne. Fini vous brise. Pas
demander l'impossible. Incroyable. L'histoire secrète d'une race appelée Néphalem. Autrement dit, c'est des ruines de leur civilisation. Est-ce possible? Comment ont-ils pu perdre toute trace de ces Néphalem? Ce n'est pas possible. Exception faite de ce livre. Ce combat est terminé. Les vieux frappent par ma main. Demander l'impossible. Vous avez perdu. Je ne ferai pas cela. Est terminé. Dotés d'une très longue vie, capables de magie et de capacités bien au-delà de ce dont nous disposons de nos vies. Mais des hommes tout de même. Je me demande si ces pages nous permettraient de retrouver cette puissance. Infini vous brise.
l'infini vous brise. Qui pensez-vous que ces visages représentent ? Un roi Néphalem ? Un dieu ? Voyons où vous vous cachez, Maldae. Adria. Les anges ne toléreront jamais que nous restions en vie. Ils n'acceptent pas le fait que nous puissions décider de notre destin. Au moins, les démons ne sont pas aussi inflexibles dans leurs croyances. J'ai fait tout ce que je pouvais pour m'en assurer. Ils trouvent toujours un moyen. Tu le sais. Avant de mourir, Adria a invoqué une image de Pandemonium. Elle cherchait Maltael. Donc il doit se trouver là-bas. Je retourne en ville. Maltael est à Pandemonium. Alors il doit se trouver dans la forteresse. Maltael pourrait y soutenir un siège jusqu'à la fin des temps. Il nous force à venir à lui. Il se terre en espérant nous retarder jusqu'à ce qu'il soit devenu trop puissant pour que je puisse l'affronter. Le seul accès à Pandemonium passe par les cieux. Mettons-nous en route sur le champ.